RNC, la grande édition du journal. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté internationale. La célébration est un rituel annuel. Celle-ci est marquée d'une pierre blanche avec l'épilogue des 9 jours des obsèques de Patrice Emery Lumumba à la place de l'échangeur. Le héros de l'indépendance congolaise a été inhumé dans l'intimité familiale. Ce journal revient essentiellement sur cet événement. Et également dans ce journal, vous suivrez l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un discours très attendu, surtout au regard de la situation sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. À qui sans gagner, l'État piteux dans lequel se trouve le stade Lumumba contraste avec la grandeur de l'homme. La notabilité de la Tshopo l'a fait remarquer au président du Sénat, Modeste Baati, représentant du chef de l'État. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Un peu plus de 6 décennies depuis l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, les Congolais se souviennent de cet anniversaire. Le premier d'entre eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'adresse à la nation congolaise ce soir comme de tradition par un message. On l'écoute. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, commémore chaque année son accession à la souveraineté nationale et internationale avec la même ferveur dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Le 30 juin 1960, cette date illustre, gravée de façon indélébile dans nos cœurs, est l'aboutissement de longues années de lutte sans relâche. Loin d'être un simple rituel, elle marque le couronnement historique des efforts inlassables de nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, dont la lutte que nous sommes appelés à pérenniser viser notre liberté et notre responsabilisation collective à prendre en charge notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne national. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. Mes très chers compatriotes, le contexte dans lequel nous célébrons aujourd'hui cette date mémorable est particulier à bien des égards. La restitution des reliques de notre premier ministre et héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, longtemps réclamé par notre peuple,
permet de lui rendre un hommage mérité à travers des obsèques dignes de son rang, un deuil conforme à nos coutumes et traditions et de nous réconcilier ainsi avec l'histoire. À ce propos, je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du Palais du Peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement terni l'histoire de la Belgique. Je me réjouis également des mots courageux prononcés le 20 juin dernier à Bruxelles par M. Alexander De Croo, Premier ministre, pour présenter les excuses officielles du gouvernement belge sur la manière dont son pays avait pesé sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Emery Lumumba. Par ailleurs, pour compléter l'histoire glorieuse et héroïque des pères de notre indépendance, j'ai décidé, en date du 9 juin 2022, d'élever Joseph Okito et Maurice Mpolo, les deux compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba, au grade de grands officiers dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Mes très chers compatriotes, parlant de notre coopération bilatérale, en dépit des écueils qui ont émaillé notre parcours, la restitution officielle à notre pays par la Belgique du masque Kakungu du peuple Soukou augure une nouvelle ère et marque la dimension éminemment culturelle de cette nouvelle étape de la coopération belgo-congolaise. Cette restitution déclenche un véritable processus de réappropriation de notre patrimoine culturel et par là, de notre identité. 62 ans après, la Belgique et notre pays sont désormais déterminés à se tourner résolument vers l'avenir et à écrire un nouveau chapitre de leur histoire afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire collective pacifiée. Mes très chers compatriotes, la célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constitue pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos voeux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement,
Et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduit aux consultations constructives avec les groupes armés locaux, est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la Communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. À ce sujet, j'en appelle à tous les autres groupes armés nationaux de s'engager sans retenue dans le processus de Nairobi et d'adhérer ainsi au programme des DRCS. Le gouvernement congolais, particulièrement au sujet de l'accord cadre d'Addis Abeba, au regard de différentes évaluations faites lors des réunions de haut niveau, a démontré sa volonté légendaire à travailler pour la paix et la sécurité collective dans la région en respectant ses engagements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Mes très chers compatriotes, sur le plan militaire, l'état de siège que j'ai proclamé en application des dispositions pertinentes de notre Constitution et dont les résultats sont de plus en plus palpables au-delà des évaluations à venir, répond à l'impératif de paix et de sécurité évoqué plus haut. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. En effet, depuis sa proclamation, l'administration militaire des deux provinces a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments des groupes armés, mais également à la récupération des armes ainsi qu'au démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. L'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux de ravitaillement de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FRDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance. Aussi, tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front.
Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Mes très chers compatriotes, c'est dans le même contexte que j'enjoins le gouvernement de la République à renforcer les capacités logistiques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité nécessaires pour soutenir leur montée en puissance. Cette commémoration est aussi l'occasion d'exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et la solidarité de toute la nation à nos frères et sœurs de l'Est du pays, à nos compatriotes déplacés et aux autres victimes des violences et des affres de cette guerre nous imposée injustement. Afin d'éviter de tomber dans le piège de la xénophobie et du discours de haine, je vous exhorte, Congolaises et Congolais, à plus de vigilance et à respecter l'ordre établi. Notre diversité socio-culturelle, qui est une richesse inégalable, est un atout majeur pour notre développement et notre cohésion. Cette diversité fait la République démocratique du Congo et lui rend sa grandeur. Mes très chers compatriotes, le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État, ainsi que le financement du processus électoral. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et assimilés, vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Sous mon impulsion, le pays s'est lancé dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces dernières se complètent sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources, tant internes qu'externes, lesquelles ont diversifié les sources de nos revenus. Il en va de même des efforts consentis pour améliorer le climat des affaires, renforcer la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout ceci en vue d'attirer des investissements étrangers. Cependant, il reste encore des défis considérables à moyen et long terme. Mes très chers compatriotes, cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres
et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin à la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et que nous devons, à notre tour, vertueusement transmettre aux générations futures. En restant sur la voie de la sagesse héritée de nos pères fondateurs, continuons à bâtir notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, cette belle terre hospitalière et bienveillante qui fait battre continuellement la chamade à nos cœurs pour ainsi donner une allure forte à notre existence collective, à notre destin commun et à notre unité nationale. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse abondamment la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Poursuivons ce journal après Onalua, dans le territoire de Tchoumbé, Kisangani, dans le Tchopo, et Chilatembo, dans le Haut-Katanga. La dépouille relique de tout premier ministre Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa, vous le savez, et c'est aujourd'hui qu'il a été inhumé au mausolée construit à la place de l'échangeur. Cet après-midi, après les hommages mérités et dignes des Kinois au palais du peuple, deux chefs d'État, celui de la République sœur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC ont marqué leur présence à cette cérémonie. Patrick Michel Moukoui. 30 juin, un jeudi, comme il y a 62 ans. Heureuse coïncidence de l'histoire, c'est ce jour que la République démocratique du Congo peut enfin affirmer que l'âme de son héros national, Patrice Emery Lumumba, repose en paix. C'est au pied du mythique monument de l'échangeur à Kinshasa que le premier ministre de la RDC a reçu ses derniers hommages. Des honneurs internationaux voulus historiques, dignes d'un leader dont l'aura dépasse les frontières continentales. Elle y portait depuis Brazzaville, le président de la République voisine du Congo a rejoint Kinshasa dans la matinée pour prendre part à ses obsèques. Plusieurs autres pays étaient également représentés, à l'exemple de l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Belgique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont aux côtés de l'Assemblée représentant plusieurs catégories de personnes accueilli la dépouille de Lumumba. Les trois derniers premiers ministres du pays ont accompagné le premier de leur lignée au lieu des hommages. La prière écuménique a inspiré les petits-enfants Lumumba qui, au-delà de remerciements adressés au président de la République pour sa volonté politique à ramener Lumumba chez lui, ont mesuré la grandeur de la tâche léguée aux générations actuelles et futures par le héros. Le peuple congolais a su démontrer
que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo, son pays, a enfin honoré, comme il se doit, sa source d'inspiration citoyenne. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. En raison de votre audace avec lequel vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Le dépôt de couronne de fleurs devant la dépouille a précédé la longue procession qui a conduit Lumumba vers son lieu de repos. Par le premier des leurs, les deux Congos voisins comme l'Afrique ont honoré Lumumba Patrice Emery, qui a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Le charme d'un voyage, c'est le retour, dit-on. Lumumba, tragiquement arraché à l'amour de ses compatriotes, avec une âme conservée très longtemps hors de son territoire. Et finalement, de retour chez lui, il a fallu donc une volonté politique très engagée pour que la République démocratique du Congo retrouve l'âme de son fils, son héros. Chef d'État qui a participé à la journée historique d'hommage à Lumumba, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu en tête-à-tête au Palais de la Nation par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Denis Sassou Nguesso, Lumumba est certes héros national de la RDC, mais aussi un héros africain. Giscard Kossema. Cinq minutes ont suffi au président Denis Sassou Nguesso pour traverser les fleuves Congo et rejoindre à Kinshasa son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjour du 30 juin, date de l'indépendance nationale. Embarqués dans une même limousine présidentielle, les deux chefs d'État ont pris la direction du mémorial Patrice Emery Lumumba pour la grande cérémonie d'hommage au héros national et premier ministre de la RDC. Sur place, le président Sassou Nguesso s'est recueilli devant la dépouille relique de cet acteur politique dont l'aura a traversé les frontières nationales. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, fils, et tout ce que vous voulez, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, un certain 30 juin. Et ce n'est pas une affaire de Brazzaville qui chasse ça. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national. Mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Lumumba, c'est un héros africain.
pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, et ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable. Pour nous, c'est un jour de triomphe, pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. Pour le président Félix Tshisekedi, c'est toujours un honneur et une fierté d'accueillir son homologue Sassou Nguesso, toujours affecté par tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ben, beaucoup d'émotions et d'honneur. Mais moi, j'aimerais d'abord surtout remercier le président Sassou Nguesso qui est une vraie bibliothèque vivante. C'est vraiment... Les témoins de l'histoire africaine, et je m'enrichis énormément lorsque j'ai des conversations avec lui. Tout à l'heure, j'ai réagi lorsqu'il parlait de Lumumba, enfin du discours du 30 juin. Il m'a dit, on en parlait, on a vraiment parlé que de ça aujourd'hui. Il m'a raconté beaucoup d'anecdotes sur le passé et il me disait qu'il suivait ça sur des radios à l'époque, des postes de radio. Et ils étaient à même le sol, couchés à même le sol, pour suivre ce qui se passait ici à Kinshasa. Et me savoir aujourd'hui, faisant partie de cette histoire, enfin du prolongement de cette histoire, mais c'est un grand honneur. Moi, je remercie Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que je joue aussi ma partition. Mais vraiment... en toute modestie, je n'ai tout l'honneur et surtout pour la famille. Il faudrait vraiment leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont déclenché en fait ce processus. Merci aussi à la Belgique qui a entériné, qui a joué aussi le jeu. Moi, je n'ai fait qu'être une sorte de maillon entre la famille et l'État belge. Donc je me suis retrouvé, on va dire... au bon moment, au bon endroit. Seul chef d'État étranger présent à Kinshasa ce jeudi, Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville en milieu d'après-midi. Après la cérémonie d'inhumation de Patrice Emery Lumumba, le président de la République et son épouse ont assisté au chapiteau de l'Union africaine à un culte d'action de grâce. Les images dans ce journal. 80 ans de colonisation, traitements inhumains, travaux forcés, une éducation de soumission. C'est une suite d'événements que Blaise Bokokia retrace en remontant le temps dans cette chronique que je vous propose à suivre. Indépendance, tcha tcha, 30 juin 1960, 30 juin 2022. Cela fait exactement 62 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, alors ancienne colonie belge. Avant d'arriver à cette souveraineté nationale, bien des choses se sont passées entre la conférence de Berlin, convoquée par Bismarck en 1885, et la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Le devoir de mémoire nous oblige à rappeler que la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par le roi Léopold II. Au cours de ce rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations y furent représentées. L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie. De toutes ces nations, la Belgique sera 22 ans plus tard la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national. De 1885 à 1960, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous le joug colonial belge. Que des sévices, que des tortures, que des maltraitances, l'homme congolais était chosifié, allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez, singe pour identifier les Congolais. 80 ans de souffrances morales qui ont abouti
à une véritable révolution mentale, mieux encore à l'éveil de la conscience d'un peuple opprimé, une véritable prise de conscience dont les débuts remontent vers les années 20 avec les groupes de Simon Kimbangu et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance. La lutte menée semblait ne pas entendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est pour cette raison justement que le prophète Simon Kimbangu fut arrêté en 1921 et déporté de son village natal Nkamba dans l'actuelle province du Congo central aux différentes prisons du Grand Katanga. À côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figure également celle des partis politiques à travers les personnalités comme Joseph Kasavubu pour la BAKO, Emery Patrice Lumumba et Kalonji pour le MNC, Boli Kango pour l'Interfédéral des groupes ethniques, Mafuta Kizola, alors Albert Delvaux pour le CELEA, et la liste n'est pas exhaustive. À l'instar de Kinshasa, les Congolais vivant à Brazzaville ont aussi commémoré ce jeudi 30 juin la fête de l'indépendance. La grande communauté s'est donné rendez-vous au mémorial Pierre Savornia de Brazza, bien avant d'assister à une messe d'action de grâce pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. L'initiative est de l'ambassadeur de la RDC en poste au Congo-Brazzaville, maître Christophe Muzungu. Nicole Cesseploka. 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les Congolais vivant à Brazzaville se sont retrouvés au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Esprit de Mongali à Brazzaville. Messe demandée par maître Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC en République du Congo. Dans son homélie, l'abbé curé de cette paroisse a insisté sur l'amour du prochain, le respect des autorités établies et l'amour du pays. Le Congolais doit apprendre à aimer et à servir son pays sans contrepartie. Aussitôt après, les compatriotes vivant à Brazzaville ont rendu hommage à Patrice Emery Lumumba, le héros national et premier ministre du Congo indépendant. Grâce à la volonté d'un homme, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le retour des reliques de Patrice Emery Lumumba et la mémoire de ses compagnons d'infortune ont réveillé l'attention non seulement de tout le peuple d'Afrique et du monde, mais aussi et surtout touché le cœur sensible de tout humain épris d'amour du prochain. Cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba et à ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, a connu la présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de la forte communauté de la RDC vivant à Brazzaville. Le parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga a rendu un hommage mérité au père de l'indépendance de la RDC ce jeudi au mémorial Lumumba où repose désormais sa relique. Le secrétaire permanent adjoint du Palou a précisé qu'il était important de prendre part à ses obsèques vu que le Palou est l'héritier idéologique de Lumumba. On l'écoute. Ça fait plus de 62 ans que nous attendions ce moment ici. Maintenant que c'est arrivé, nous avons la joie. Nous sommes là parce que nous sommes solidaires à la famille Lumumba. C'est nous qui perpétuons son nom et sa vision. Voilà. Parce que Lumumba est mort pour la RDC. Il n'est pas mort pour sa famille, mais il est mort pour la RDC et pour l'Afrique. Donc tout ce que nous demandons, c'est la population d'intérioriser sa vision pour que demain ou après-demain, nos enfants puissent voir un Congo plus beau qu'avant. Le stade Lumumba, nous sommes à Kisangani, n'existe que de nom. Dans ce complexe sportif, la nature a repris ses droits. Présent dans la province de la Tshopo, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a entendu les doléances des Boyomé et qui ne souhaite qu'une seule chose, la réhabilitation de ce stade. Et Modeste Baat ici est rendu sur place. Le constat est très amer. Gelor Kimpianga et Jires Kelani étaient dans sa suite et nous en parlent. Lors de son récent séjour à Kisangani, où il a représenté le chef de l'État à l'occasion de la réception de la relique dépouille de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, a visité le stade Lumumba.
du chef-lieu de la province de la Tchopo. Une visite que le speaker de la Chambre haute du Parlement a effectuée à la demande de la population bouyomaise lors de la veillée organisée en mémoire du père de l'indépendance congolaise devant la grande poste de Kisangani. Sur place, Modesto Bahati Lukwebo fait un constat amer. Le stade qui porte le nom du héros national n'existe que de nom au vu du délabrement de ses installations. Après avoir fait ce constat, le président du Sénat a promis de faire le plaidoyer auprès de l'exécutif national pour la réhabilitation de ce stade. La population m'a chargé de plaider la cause de ce stade auprès du président de la République et auprès du premier ministre chef du gouvernement central. Je tenais moi-même à voir dans quel état se trouvent ces lieux pour que je puisse étayer mon argumentaire lorsque je vais plaider pour que le plus rapidement les travaux qui avaient déjà été commencés. Ma présence, c'est pour que moi-même je voie de visu dans quel état se trouve le stade de Lumumba de Kisangani. Maintenant que j'ai vu, je vais faire le plaidoyer auprès des décideurs. Notre rôle, c'est d'exercer la pression sur l'exécutif pour que le gouvernement puisse honorer ses promesses vis-à-vis de la population de Kisangani. Au cours de la visite, le speaker du Sénat était accompagné des députés provinciaux élus de la Tchopo, parmi lesquels Debosh Lusangi. Signalons que la troisième ville de la RDC demeure sans infrastructure sportive depuis 3 ans. Les différents championnats locaux se jouent au terrain de l'Athénée de Kisangani, dont l'État laisse à désirer. La réhabilitation du stade Lumumba, initiée par l'ancien gouverneur Wale Lufungula, a été arrêtée brusquement sans connaître les raisons valables, a fait savoir un Boyomé lors de cette visite. La ville de Kolwezi a célébré aussi à sa manière le 30 juin pour le jour de l'indépendance de la RDC. Suivez ce commentaire. Les hymnes de la RDC et de son partenaire chinois retentissent au-dessus du site de Kapata. Un 30 juin pas comme les autres au-dessus du ciel de la Sicomine dont le directeur général Li Sheng a présenté ses vœux le meilleur, message lu par les conseillers principaux techniques. Nous organisons aujourd'hui une cérémonie somptueuse de levée du drapeau afin de célébrer chaleureusement le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Je profite de cette occasion pour adresser, au nom du comité de direction de la Sicomine et au nom de notre directeur général, M. Li Chen, les meilleurs vœux de bonne fête nationale de l'indépendance à tous nos agents congolais. Cette collaboration sino-congolaise est l'image parfaite de l'attente entre les deux pays qui font de la coopération win-win, le mode de fonctionnement, mettant en commun des projets sociaux pour booster les développements de la RDC. La connectivité de la RDC à l'intérieur est une condition au développement. Des voies de transport sont capitalistiques. La Banque mondiale met à la disposition de la RDC 750 millions de dollars américains en 2 conventions. Jean-Christophe Carré l'a dit au ministre des Finances Nicolas Kazadi. Edi Tchala. Le conseil d'administration de la Banque mondiale approuve une opération des politiques de développement de 250 millions de dollars américains pour des réformes fondamentales de la gouvernance économique et 500 millions de dollars pour renforcer les transports et la connectivité en République démocratique du Congo. Ces 2 projets sont financés par l'Association internationale de développement. Le directeur pays de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carré, a exprimé au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'engagement de son institution d'accompagner la RDC. Pour le ministre Nicolas Kazadi, ces 2 conventions prouvent à suffisance que des réformes de fonds entreprises par le gouvernement Samalou Kondé dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi portent leurs fruits. Ce sont les véritables défis de la République démocratique du Congo, ceux de réduire la fracture en matière d'infrastructures de base. Et ce n'est qu'un début, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre à très court terme. Cela ne fait que nous motiver et je serai l'interprète de ce message à travers la signature d'aujourd'hui auprès du gouvernement pour que toutes les autres décisions qui doivent suivre dans le sens de
de la réforme de notre gouvernance des entreprises publiques soit prise rapidement et qu'elle soit effective. Ces projets porteront sur les liaisons des transports Est-Ouest. Ils financeront 440 km de routes dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu, tout en installant des infrastructures des fibres optiques le long. La Société nationale d'assurance SONAS vient d'adresser un message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. On le suit à travers cet élément. Message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'administration, la Direction générale et tout le personnel de la Société nationale d'assurance en sigle, SONAS SA, présente à votre auguste personne, aux honorables députés et sénateurs ainsi qu'aux membres du gouvernement, les vœux de bonheur, de prospérité et de paix. Nous saisissons cette opportunité pour vous témoigner notre soutien moral et spirituel dans les actions que vous menez sans relâche afin de restaurer une paix durable à l'est de notre pays, victime d'une agression sauvage et intentionnelle de la part des États voisins. Vous réitérant nos hommages les plus déférents, nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de notre très haute considération. Boniemé Kofo Lucien, directeur général, Kouma Bouéni, Iwasa Jean-Robert, président du conseil d'administration. Et plusieurs messages de vœux à l'occasion de la fête de l'indépendance nous sont parvenus à notre rédaction. La lecture avec vous, Edith Chala. Merci Sandra pour l'occasion. Plusieurs messages nous parvenus. Le premier est celui de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Je le lis in extenso. Message des vœux de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCCSA, à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En ce jour du 30 juin 2022, où le peuple congolais célèbre le 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale, ainsi que tout le personnel, cheminots et navigants de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, SA en sigle, ont l'insigne honneur de vous présenter leurs meilleurs vœux de santé et de prospérité en ce moment historique de souvenir de l'indépendance. Le peuple congolais garde encore frais en mémoire, tout en la saluant, l'offensive diplomatique menée sous votre houlette contre vents et marées et ayant abouti au retour de la dépouille de notre héros national Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres, suivi des hommages dignes à travers le pays et de l'inhumation au mémorial éponyme ce 30 juin 2022 à Kinshasa. Tout comme il salue la récente visite du couple royal belge à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu marquant ainsi la redynamisation de la coopération belgo-congolaise et le renforcement des liens séculaires entre le peuple congolais et le peuple belge. Le peuple congolais à travers les cheminots et marins de la SNCCSA salue aussi les actions d'envergure initiées par votre Excellence pour la pacification de l'ensemble du territoire national en général et de l'Est de notre pays en particulier, ce en conjuguant les efforts d'une diplomatie agissante à ceux de la force des armées de nos vaillants soldats des FRDC. Ainsi, aussi, nous vous rassurons de leur soutien et de leur accompagnement dans la matérialisation de votre vision de promouvoir, à l'instar des pères de l'indépendance, une république éprise de justice et de paix, une république unie et prospère. Puisse les Très-Hauts bénir la République démocratique du Congo et son peuple, puisse-t-il combler le 5e président de la République de sagesse et de clairvoyance dans l'accomplissement de sa noble mission de conduire les destinées de notre grand et beau pays vers un avenir radieux. Que vive la République démocratique du Congo, bonne fête de l'indépendance. C'est signé Fabien Mutombe Kankato, directeur général, et Joseph Kitonkwe Elimu, président du conseil
d'administration. Message des vœux à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et à la nation congolaise à l'occasion des festivités du 30 juin 2022. Le message est de l'Office des routes à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre cher pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. La présidente du conseil d'administration et le directeur général de l'Office des routes sont heureux de souhaiter, au nom des membres du conseil d'administration, de la direction générale, de l'ensemble du personnel de l'Office des routes, ainsi qu'en leur nom propre, une bonne et heureuse fête de l'indépendance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, il formule les mêmes souhaits au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'à tous les membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux autres responsables des institutions de la République et à toute la nation congolaise. En sa qualité d'ingénieur conseiller du gouvernement de la République en matière d'infrastructures routières, l'Office des routes, toujours fidèle à sa mission, soutient le chef de l'État dans sa détermination de réaliser ses programmes liés à la modernisation du réseau routier et à la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Durant cette période où notre pays est victime d'atrocités lui imposées dans sa partie est, nous implorons les Très-Hauts de combler le chef de l'État et toute la nation congolaise de sa grâce, de sa sagesse, de ses bénédictions pour que le grand Congo retrouve la paix, la sécurité et le bonheur. Mutima Sakrini Herman, ingénieur civil, directeur général, et Emma Selemani, présidente AI du conseil d'administration. Message des vœux de l'Agence congolaise de l'environnement adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale de son indépendance, l'Agence congolaise de l'environnement a l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'honorable Président du Sénat, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, ainsi qu'aux compatriotes congolais, ses vœux les meilleurs. En effet, célébrer notre indépendance, c'est honorer le courage et le sacrifice de nos héros. Une pensée affectueuse pour tous les martyrs qui étaient à l'avant-garde du combat pour contribuer à la défense du monde libre. Honneur et gloire à eux. Vous resterez à jamais et au-delà de nos souvenirs, ainsi qu'à nos vaillants éléments défardessés, engagés dans la guerre de l'Est, nous imposée par les voisins. L'Agence congolaise de l'environnement saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à contribuer à l'évaluation environnementale et sociale de tous les projets et activités implantés en République démocratique du Congo afin de minimiser toutes les atteintes à la nature en vue d'un développement durable. Vive la nation, vive la patrie, vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le message. C'est signé ingénieur Jean-Claude Emene Elenga, chargé de mission. Message des vœux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en cette journée commémorative du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Président du Conseil d'administration et la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, ainsi que l'ensemble de leur personnel vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Cette fête est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de notre nation, à savoir valeurs de justice, de paix et de travail. À tout le peuple congolais, cette célébration portera à jamais le souvenir inaltérable des sacrifices que nos pères fondateurs ont consentis pour notre liberté. Et particulièrement, pour cette année, cette journée revêt un caractère particulier car marqué par le rapatriement des reliques d'un des pionniers de l'indépendance, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba, pour lesquels vous vous êtes particulièrement impliqués et personnellement investis afin d'honorer ce patrimoine national mieux africain si
pas mondial. Cet anniversaire intervient aussi dans un contexte particulier marqué par la résurgence de la guerre à l'est de notre pays avec cette injuste agression rwandaise. À cet effet, nous saluons le leadership avec lequel vous y faites face en votre qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale en vue de garantir l'intégrité territoriale de notre pays et d'aboutir à une paix durable. Par ce message, enfin, la RSP vous encourage à continuer votre combat pour la bonne gouvernance, socle du vrai changement et pour le développement économique de notre pays, grâce, entre autres, à l'application sans faille de la loi sous la sous-traitance dans le secteur privé. Elle vous assure, par ailleurs, de son engagement à exécuter sans désemparer les missions qui lui sont confiées, afin d'aboutir à la création d'une classe moyenne purement congolaise, telle que projetée dans le programme du gouvernement de la République. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance et vous réitérons nos vœux de bonheur, de sagesse et de longévité et que Dieu vous bénisse. Pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, Kalej Kand, directeur général, Baba Monateba Ali, président du conseil d'administration. Message des vœux au président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le message est du Fonds de promotion de l'industrie. À l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI, ainsi que l'ensemble de son personnel, vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix. À l'heure où notre pays fait face à une agression orchestrée par le mouvement du M23 mars, avec l'appui d'un pays voisin, le FPI s'emploie de façon continue à travailler pour la réalisation de la vision de votre autorité, à savoir le renforcement de la productivité dans le secteur privé, l'encouragement de l'entrepreneuriat au niveau national, la mobilisation des efforts dans le secteur à forte valeur ajoutée, ainsi que la création d'emplois pour la jeunesse congolaise, notamment dans les secteurs des industries de transformation. Ainsi, malgré toutes les vicissitudes et afin de participer à la préservation de la grandeur de notre chère patrie, au même titre que celle de son intégrité, le FPI tient à rassurer non seulement votre auguste personne, mais également toute la nation congolaise qu'il continue de travailler avec acharnement et détermination à l'aboutissement des projets industriels structurants, en particulier ainsi qu'à celui de la réindustrialisation de la RDC en général. Puisse le Seigneur, notre Dieu et tous nos ancêtres être à vos côtés en ce moment crucial où notre chère nation, ayant au prix de nombreux et indicibles sacrifices, obtenu son indépendance le 30 juin 1960, subit à nouveau une agression de la part d'un de ses voisins. Faite à Kinshasa le 30 juin 2022. Direction générale, Jean-Claude Kalinga Makunga, le conseil d'administration, Constantin Tuyumbo Kasunga. Message de vœux du directeur général du SAMP pour la journée du 30 juin, fête de l'indépendance. À l'occasion du 62e anniversaire d'accession de notre pays à la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, j'ai l'immense honneur de souhaiter au nom de ma famille ainsi qu'au nom de tout le personnel du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAMAP, en sigle, une joyeuse fête de l'indépendance à tout le peuple congolais et particulièrement à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'unité et le maintien de la paix sur l'ensemble du territoire national, aussi pour avoir su ramener sur la terre de ses ancêtres la relique de M. Patrice Emery Lumumba, l'un des héros nationaux de cette indépendance. Je souhaite également une joyeuse fête à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Samalou Koundé Kiengé, à son Excellence, Madame la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay, aux partenaires techniques et financiers, aux membres des coopératives minières, aux représentants et agents des sociétés de la petite mine. Vive l'indépendance de la République démocratique du Congo, un et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous ceux qui la servent. C'est signé Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du SAMAP. Message des vœux de Jekamine SA adressé au président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État.
à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale, le personnel de la générale de carrière et des mines, Jikamine SA, vous présente à vous, à votre famille et à l'ensemble du peuple congolais leurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Ils profitent de cette opportunité pour vous renouveler en ce moment précis où notre pays est confronté à des défis économiques, sécuritaires et écologiques. Tout leur soutien pour un total accomplissement de votre volonté de réconcilier le peuple avec son histoire. Réconciliation déjà marquée par la restitution à la République démocratique du Congo de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, longtemps détenu par la Belgique. Ce qui témoigne aussi votre détermination et votre souci de favoriser et d'instaurer une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs et de relancer l'économie de notre pays déjà au cœur des enjeux de la transition écologique. Jikamine SA et son personnel, mu par un sentiment patriotique, vous rassure qu'ils ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans vos lourdes tâches par une production satisfaisante des métaux pour le bien-être de ses agents et de toute la population congolaise. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, vous accorde ses grâces et qu'il bénisse et protège la République démocratique du Congo, son président et Jikamine SA, Tambwengo Ikabongo, Bester Hilaire, directeur général, et Alphonse Kaputo Kaloubi, président du conseil d'administration. Message de vœux à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est un message de la Régie des Eaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en cette date historique de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, c'est avec l'expression de nos hommages les plus déférents et de nos sentiments patriotiques que nous avons l'honneur, la joie et le réel plaisir de présenter au nom du conseil d'administration et de l'ensemble des travailleurs de la Régie des Eaux ainsi qu'au nôtre propre, les vœux de bonne et heureuse fête de l'indépendance à l'autorité suprême que vous incarnez. Ce 62e anniversaire nous offre également l'opportunité de réitérer notre soutien dans la poursuite de votre œuvre salvatrice de pacification, de modernisation et de développement de notre pays victime d'une agression extérieure sans raison. Soyez rassurés de notre détermination à œuvrer pour la matérialisation au travers des actions à impact visible, votre vision sociale, le peuple d'abord, par la création des conditions d'accès durable de nos compatriotes à l'eau potable. Daigne l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de bénédictions, de force, de grâce et de bonne santé dont vous avez tant besoin pour vous aider à continuer d'assumer avec succès le plus haute charge de la République, vous confiée par notre peuple. Que vive la Régie des OSA, que vive le peuple congolais, son chef, que vive la République démocratique du Congo, bonne et heureuse fête de l'indépendance. C'est signé, directeur général adjoint AI, Daniel Kapile Sambwe, directeur général AI, Jonas Taku Sala Biakou et président du conseil d'administration AI, Dami Mukuna Kalambay. Message des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. Le message est de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. À ces jours où la République démocratique du Congo commémore le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, l'équipe dirigeante de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, et l'ensemble de son personnel saisissent cette occasion pour présenter leurs vœux de paix, de bonheur et de prospérité à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature, aux vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo et à tout le peuple congolais. Cette commémoration est aussi le lieu de saluer et rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour sa détermination et les efforts engagés pour défendre l'intégrité de notre pays et restaurer la paix à l'Est, ainsi que l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour avoir tenu à honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, et de ses compagnons de lutte,
en organisant les funérailles dignes de leurs rangs ce 30 juin 2022. Pour sa part et dans le cadre de sa mission de protection des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance, l'ARCA saisit cette opportunité pour réitérer sa ferme volonté d'accompagner l'action du chef de l'État en poursuivant inlassablement la consolidation du processus de libéralisation du secteur des assurances en faveur de l'économie de la République et du social des Congolais. Puisse l'Éternel du Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo et son président, Alain Kaninda, directeur général, Deogracias Mutombo Mananyimbo, président du conseil d'administration. Message des vœux de l'Office congolais de contrôle à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de l'Office congolais de contrôle présentent leurs vœux sincères de santé, de paix et de bonheur infini à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables sénateurs et députés nationaux, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement, au peuple congolais tout entier. L'OCC salue particulièrement, en cette heureuse circonstance, l'engagement de nos forces armées sous le commandement suprême du chef de l'État pour préserver l'intégrité du territoire national et la souveraineté chèrement acquise par les pères fondateurs de la nation, au nombre desquels le héros national Patrice Emery Lumumba, dont la relique vient d'être rapatriée auprès de notre peuple après tant d'années de séparation. Établissement public à caractère scientifique et technique, l'Office congolais de contrôle entend soutenir, à travers l'exercice de sa mission, l'œuvre collective de reconstruction nationale par sa contribution substantielle à la préservation de la sécurité et de la santé de notre population, guidée à cet effet par les normes nationales, régionales et ou internationales, par le devoir de performance et l'essence de redevabilité. Que Dieu protège la RDC avec tous les vaillants dirigeants et tout son peuple. Bâtissons la confiance. La confiance rime avec le contrôle. Directeur général AI, Gabi Loubi Bamampouya, le président du conseil d'administration AI, Lambert Osango Senga. Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, établissement public CEEC. Message des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, marquée historiquement par le retour au pays des reliques de notre héros national de très heureuse mémoire, Patrice Emery Lumumba, la direction générale du CEEC et l'ensemble de son personnel ont l'honneur de saisir cette opportunité pour vous souhaiter très respectueusement une bonne fête de l'indépendance. Nos voeux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ainsi qu'aux membres de leurs institutions respectives. Dans le contexte actuel où notre pays fait face à une agression injuste fomentée par les ennemis de la paix, nous saluons les efforts inlassables que consentent au quotidien nos forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême pour préserver l'intégrité territoriale. Le CEEC, en sa qualité d'autorité de certification des substances minérales en République démocratique du Congo, réitère son engagement d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'assurer une meilleure gouvernance du secteur minier, moteur de la croissance économique de la RDC. C'est signé Mwamba Kanyinku Freddy, directeur général AI. Message des vœux de Estelle adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Excellence, ce jeudi 30 juin 2022, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, commémore le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Et avec le rapatriement sur la terre de ses ancêtres de la dépouille de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, la fête de l'indépendance 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple congolais. Dans le même cadre du renouveau de notre nation, nous reconnaissons les efforts que vous fournissez avec le gouvernement de la République dans la pacification et la préservation de l'intégrité de notre territoire national, dans l'amélioration du climat des affaires, notamment par l'assainissement du secteur minier. Ceci conforte la volonté de Estelle qui s'engage à continuer
de travailler d'arrache-pied en vue de donner sa pierre à la construction de cet édifice par sa production minière. Ainsi, au nom de son personnel, la direction générale de la Société congolaise de traitement du terril de Lubumbashi Estel réitère à votre excellence ses vœux de bonheur, santé, de longévité et de succès. Que la grâce du Très-Haut repose sur vous et sur toute votre famille. C'est signé Monsieur Grant Dempsey, directeur général. Pour poursuivre ce journal, nous vous l'avions dit au début de ce journal, après la cérémonie d'inhumation d'Emery Patrice Lumumba, le président de la République et la première dame de la République ont assisté à un culte d'action de grâce au chapiteau de la cité de l'Union africaine, culte auquel ont pris part plusieurs confessions religieuses. Regardez. L'un des moments forts des cérémonies commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce jeudi 30 juin 2022, aura été le culte œcuménique d'action de grâce organisé au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Après avoir marqué de sa présence la cérémonie d'inhumation du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba à la place de l'échangeur Alimété, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est joindre aux hommes de Dieu présents dans la salle, représentant des confessions religieuses de Kinshasa, de l'intérieur du pays, d'Afrique du Sud et de l'Europe. Cette rencontre intervenant après la grande journée de prière organisée le 25 juin dernier au Stade de Martyrs, ces hommes de Dieu ont rendu grâce à l'Éternel, réitéré leur soutien aux forces armées de la RDC, confrontées à l'agression du pays dans l'est du territoire national et est promis d'accompagner dans leurs prières les efforts qu'elles ne cessent de fournir. Le président de la République, garant de la nation, pour restaurer la paix durable et la stabilité dans l'est de la RDC. Dans leurs interventions, le pasteur Sita Luemba et l'évêque Jacques Kangoudia ont salué l'avènement du chef de l'État à la magistrature suprême et loué sa décision prise le 23 juin 2019 de dédier la RDC entre les mains de l'Éternel Dieu. Une véritable indépendance spirituelle du pays, a souligné l'évêque Kangoudia. La cérémonie a été ponctuée de prières et de louanges. Et Edith, tu as la poursuite de la lecture des différents communiqués. Merci Sandra. Message de vœux à l'occasion du 30 juin 2022, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des JRAD en sigle, présente ses vœux de les meilleurs à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au président des deux chambres du Parlement, aux membres du gouvernement, aux forces de sécurité et défense de la République démocratique du Congo et à l'ensemble de la population congolaise. Par ailleurs, la DGRAD s'engage à mobiliser davantage des recettes non fiscales en vue de donner au gouvernement les moyens de sa politique. C'est signé directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandikiré. Message de vœux au président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est un message de l'Institut national de préparation professionnelle. À l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'administration et la Direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, présentent au nom du personnel les meilleurs vœux de paix, de prospérité et de réussite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moment où notre pays observe un deuil national en mémoire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, l'INPP réaffirme son soutien indéfectible à toutes vos actions pour la relance économique et le développement de notre pays, par la qualification professionnelle de la population active, à travers notamment l'insertion professionnelle dans le cadre de l'auto-emploi, gage de la création des emplois et de l'employabilité des jeunes. Qu'il plaise à l'Éternel des armées de vous accorder courage, détermination, victoire sur les ennemis de notre pays et plein succès dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. Directeur général AI, Patrick Kayembe Soumpi, président du conseil d'administration AI, Léonard Mota Ngaliema. Message de vœux à l'occasion
à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale nous offre l'opportunité de présenter à votre Excellence, au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de tout le personnel de la Congolaise des voies maritimes, CVMSA, nos voeux de bonheur, de prospérité et de plein succès. Les mêmes voeux sont adressés aux députés et sénateurs, aux membres du gouvernement et au peuple congolais dans son ensemble. Nous saisissons cette opportunité pour implorer l'éternel Dieu des armées qu'il vous assiste en ce moment difficile où le pays fait face à une guerre d'agression, aboutée hors du territoire national, les agresseurs, et permettre ainsi à votre Excellence de conduire le pays de Patrice Emery Lumumba, notre héros national et père de l'indépendance, vers son développement intégral, de sorte à redonner l'espoir et le sourire au peuple congolais. Directeur général Christine Toussé Daoumbo, président du conseil d'administration AI, Constant Oudiekila. Message de vœux à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Notre cher et beau pays, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, en sigle, présente ses vœux de bonheur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'honorable Président du Sénat et à tous les sénateurs, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale et à tous les députés nationaux, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres et à l'ensemble du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et toutes ses institutions. C'est signé Directeur général Jean Bosco Kayombo Kayam, Direction générale de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa Oebeka, ainsi que l'ensemble du personnel souhaite une bonne fête de l'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tout le peuple congolais. Que vive la nation congolaise, la République et tous les martyrs de l'indépendance. Et pour terminer, message des vœux à l'occasion de la fête de l'indépendance du 30 juin 2022 de l'Office des voiries et drainages. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce jour mémorable du 30 juin 2022, marquant la 62e année de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale de l'Office de voirie et drainage, ainsi que tout son personnel, ont l'insigne honneur de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Votre vision, votre leadership et votre détermination ont permis de garantir la stabilité et l'intégrité et l'unité nationale. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutenir dans la conduite de ce beau et majestueux pays vers sa destinée de la renaissance du développement des infrastructures routières, vecteur de développement économique. C'est signé Victor Toumba Tshikela, directeur général, et Odette Mouileka Maunda Mundende, présidente AI du conseil d'administration. Voilà tout, Sandra Nyangi. Merci beaucoup, Edith Chala. Une page noire avant de nous séparer. Décédé le 18 juin dernier, c'est le samedi 2 juillet 2022 que Marie-Madeleine Miendi sera portée en terre. Tous les notables nés Congo étaient aujourd'hui à sa résidence pour consoler la famille et pleurer. Regardez. C'est une nouvelle triste qui a frappé toute une communauté. Les nés Congo ont perdu l'une de leurs. Marie-Madeleine Miendi Kiaku a tiré sa révérence à 77 ans le samedi 18 juin dernier à Kinshasa, président du conseil d'administration de la Congolaise de voies maritimes, CVM, fonction qui couronnait une riche carrière. Successivement, Marie-Madeleine Miendi a été présidente du conseil d'administration de la compagnie sucrière de Kwilungongo, conseillère principale à la présidence de la République au cabinet du vice-président en charge de la reconstruction, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Aux côtés de ses fonctions publiques, Marie-Madeleine Miendi s'est illustrée dans le monde scientifique. Elle était enseignante à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, dont elle a été administrateur du budget entre 1997 et 2001. Les notables de tous bords, anciens gouverneurs, députés et sénateurs, ministres en fonction et honoraires, personnalités politiques et scientifiques, personnalités de la société civile,
se sont donné rendez-vous au domicile de Marie-Madeleine Mienzekiaku pour dire toute leur compassion et encourager son époux, Jean Dzinga. Mère de 3 enfants, dont 2 garçons et 1 fille, Marie-Madeleine Mienze sera conduite à sa dernière demeure le samedi 2 juillet dans son Mbanzangungu natal, où ceux qui n'ont pas pu être à Kinshasa lui rendront un dernier hommage. Avant son départ pour Mbanzangungu, le cortège funèbre passera par PPRD, son parti politique qui l'a vu assumer les fonctions de secrétaire général adjointe pendant plusieurs années. Quelle est la véritable histoire de Patrice Emery Lumumba, l'histoire écrite au Congo par le Congolais, celle de dignité et de grandeur? Blaise Boku Kiasanza reçoit le professeur Germain Mbayi Kanyinda au cours d'une émission qui relève plusieurs facettes de cette histoire. Juste après ce journal, restez sur la RTNC pour suivre cet autre côté de l'histoire. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Eliane Atanza, Diane Balakambombo, Eric Kabamba l'ont rédigé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Mulhouse et en France et partout ailleurs sur satellite. Retrouvez à 23h Serge Merlin, Mata. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et bonne fête de l'indépendance à tous.